Lily Rose. Lily Rose. Oh, j'espère qu'elle va bien, c'est pas possible. Oh, pourvu qu'elle soit encore dans son lit. Lily Rose. Ah oh, non. Lily Rose, si c'est une blague, montre-toi là. J'ai vraiment pas le temps. Elle est de retour. Qu'est-ce qui se passe ici? Si c'est une blague, montre-toi tout de suite. Ah bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais bien fermer la porte là pour l'instant, je vais rester tout seul. Je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. Lily Rose, t'es pas dans ta chambre? Non, j'espère qu'elle l'a pas embarqué. Bon, là vous devez rien comprendre, surtout pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos qu'on a postées. Pour ceux qui ont vu notre dernière vidéo, elle est de retour. Voilà, je vais vous montrer une photo d'elle. C'est la caméra de surveillance, heureusement qu'elle était branchée. Elle a réussi à prendre une photo de cette immonde personne. Regardez-moi ça. On la voit, là. Elle était face à la caméra de surveillance, elle a carrément regardé la caméra de surveillance. Là j'ai pu zoomer, c'est bien elle. Voilà, c'est notre fausse mère. Et bon, pour ceux qui comprennent pas ce qui se passe, je vais vous expliquer en détail. En gros, ça fait plusieurs jours que cette personne nous suit. Elle a suivi Lily Rose dans la rue. Des fois, elle rentre chez nous, elle essaie de rentrer chez nous. Et elle est persuadée d'être notre mère. Donc à chaque fois qu'elle nous voit, elle nous appelle mes enfants, tout ça. Elle est persuadée d'être la mère de Lily Rose. Sauf que bah c'est une fausse mère, quoi. Notre vraie mère, vous la connaissez, c'est pas du tout elle. Bon, attendez, faut que je me calme. Et là, j'étais tranquillement en train de dormir. Il y a mon téléphone qui a sonné parce que la caméra de surveillance a détecté quelqu'un. Et j'ai regardé les images. C'est elle. C'est elle. Elle est re-rentrée chez nous. Elle a réussi à rentrer chez nous. Et du coup, je me suis dépêché d'aller voir Lily Rose pour la prévenir, pour qu'on se cache. Parce que son objectif, à chaque fois, c'est de venir... c'est de venir nous voir et de récupérer Lily Rose pour l'amener chez elle, quoi. C'est vraiment effrayant. Là je vous ai montré une photo, mais si vous voulez la voir, de toute façon vous allez qu'à avoir les... Vous tapez fausse mère Pink Lily, vous tomberez sur les autres vidéos. Peppa Pink. Oui. Ah c'est bon. Justement, t'as plus Lily Rose. Dépêche-toi. Viens. Ah. Elle est de retour. Lily Rose. Elle est de retour. Non mais livre. Elle est de retour. Qui? La fausse mère. Non. Si. Celle qui était là hier qui... Oui, non, mais celle qui était là hier, qui est rentrée chez nous et qui nous suit depuis plusieurs jours. Elle est revenue. Non, Lily Rose est introuvable. C'est okay, ça, c'est non, ça non, qui non, m'inquiète, non. C'est pour ça que je t'ai réveillé. J'ai vu, il y avait... Non, mais elle est introuvable. Je sais qu'elle est partie dormir, mais après, plus rien. Bon, les amis, on va chercher un peu partout dans la maison pour essayer de comprendre ce qui se passe. Bon, Peppa Pink, suis-moi, j'ai pas envie de rester tout seul. Oh. Oh, désolé, là, j'ai... Je commence à avoir le hockey. Ça, c'est la peur avec tout ce qui est en train de se passer. Lily Rose! C'est vrai, comme elle est allée se coucher il y a 30 minutes, peut-être qu'elle a décidé de prendre sa douche ou peut-être qu'elle avait oublié des affaires ailleurs. Lily Rose! Lily Rose! Tu prends ta douche? Normalement, elle prend jamais sa douche dans cette salle de bain. Non, elle est pas là. Bon, je sais pas. Non, je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Elle est pas dans le studio. Là, normalement, elle est vraiment décidée à... Non mais elle est pas ici, je vois pas pourquoi elle serait ici. Je vais voir dans le garage, même si ça sert à rien. Lily Rose, t'es là? Attends, Peppa Pink. Attends, je viens. Viens voir. On dirait qu'il y a quelqu'un dans la voiture. Mais c'est elle. Attends. Attends, on dirait qu'il y a quelqu'un dans la voiture. Eh oh. Eh oh. Attends, la lumière c'est... Eh oh. Non mais... Eh. Non mais c'est pas possible, je m'en doutais. Bah, de toute façon, je te l'avais dit qu'elle était dans la maison. Je t'avais dit qu'elle était dans la maison. Non mais qu'est-ce que... Tu sortiras pas. Comment ça, tu sortiras pas? Et c'est écoute, ma voiture. Ça fait 4 jours que tu nous gâches la vie. Maintenant, tu vas sortir. Non, Lily Rose, elle est où? Ouais, Lily Rose. Ah, Lily Rose. Ah bah oui, c'est vrai. Je te veux aller chercher ses affaires. Attends, quoi? Bah ouais, maintenant, elle vit chez moi, je l'ai emmenée. Comment ça, elle vit chez toi? Bah oui, je l'ai emmenée dans ma maison. C'est une blague. Vous êtes... Non mais t'as emmené Lily Rose dans ta maison? Oui, quoi? Elle est même pas toi, chercher. Mais qu'est-ce que c'est? Non mais tu vas nous dire où elle est exactement. Et reviens ici tout de suite. Reviens. Non mais comment ça? Non mais tu comprends? Non mais je rêve. Attends, ce qu'on va faire? Ouais, non et surveille là, celui-là à la trace. Oh, les amis, ça y est, on s'est fait avoir. Tout ce que je ne voulais pas s'est passé. Oh, c'est pas possible.
Oui, donc vous voyez cette personne, du coup, notre fausse mère, hein, voilà, qui vient chez nous depuis plusieurs jours. Son objectif, c'était de ramener Lily Rose chez elle, et moi aussi. Sauf que moi, bah ça va, je suis assez grand, je me laisse pas faire. Sauf que Lily Rose, avec toutes ses histoires, elle est un peu perturbée. Du coup, ça veut dire qu'elle a réussi à ramener Lily Rose chez elle, et maintenant, elle veut prendre ses affaires pour les ramener chez elle aussi. C'est pas possible. Bon, écoutez, on va pas se laisser faire. On va essayer de trouver son adresse. Oui, qu'est-ce qui se passe? Elle est partie en courant dans la chambre de Lily Rose. Ouais, bah de toute façon, on va l'enfermer ici et on va récupérer Lily Rose. Allez, allez, allez. En haut. Bon, on va faire semblant de rien pour l'instant. On va pas trop la choquer. On va pas trop l'embêter. On va juste essayer de l'enfermer dans la chambre de Lily Rose en attendant d'appeler la police ou en attendant de savoir où est Lily Rose exactement, parce que j'ai pas envie qu'elle s'enfuie, et si c'est ça, on devra retrouver Lily Rose. Allez, rentre dans la chambre. Dépêche-toi. Bon, ah, écoute. Voilà. Elle est là, je m'en doutais. De quoi? Bah, quoi? Elle est venue récupérer des affaires de Lily Rose. Non, il n'y a aucune affaire à récupérer. Il n'y a aucune affaire à récupérer ici. Écoute, bon, on va pas se fâcher. Quoi? Non, on va pas se fâcher entre nous. Où est Lily Rose? Chez moi. Oui, mais c'est quoi l'adresse? Bon, non, tu pourras prendre 2-3 affaires, mais on aimerait bien savoir où elle est quand même, parce que nous on doit faire des vidéos, elle doit aller au collège, tout ça. Si tu nous dis pas où elle est, ça va pas le faire. Je réfléchis. Comment ça, tu réfléchis? Il faut l'aider à transporter les affaires aussi. Lily Rose. Oui, bon, elle est où? Je m'en rappelle pas. Comment ça, tu t'en rappelles pas? Je me rappelle pas. Ton adresse? Non, j'ai pas envie de vous le dire. Comment ça, t'as pas envie de nous le dire? Bah, nous, si on n'a pas d'adresse, on te laissera pas partir avec les affaires. Si vous voulez voir Lily Rose, vous devez venir avec moi. Non, on vient pas. Non, on vient pas avec. On vient pas avec. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on viendra pas avec toi. Mais il y a trop d'affaires de toute façon, je peux pas porter tout toute seule. Non, mais on t'aidera pas à prendre les affaires, et c'est nous qui les avons achetées, c'est à Lily Rose. Lily Rose, elle habite ici. Maintenant tu vas nous dire l'adresse. Non, déjà. Tu dois aller à l'école lundi. Bah ouais, c'est pour ça que je prends ces affaires, pour qu'elle puisse aller à l'école. Non, toutes ces affaires, elles sont ici. Bon, stop. Non, mais c'est bon. Ouais, non, attends. Bon, attendez. Ouais, on non. On revient. Ouais, non, chut. Bon, on va être obligé de partir avec elle. Hein. Il faut qu'on retrouve Lily Rose là. Tu te rends compte, on l'a laissée partir en pleine nuit comme ça. Et elle rentre chez nous, elle prend Lily Rose, elle l'amène chez elle. Non, il faut. Elle fait semblant de préparer des sacs. Non, mais on lui dit de venir là. On lui dit de prendre ses affaires là maintenant. Bon, et hop, et on va voir Lily Rose. Et on la lâche pas. Hein. On monte dans la voiture avec elle, on la lâche pas. Bon, les amis, on va aller s'installer. On va aller s'installer dans la voiture. Parce que c'est hors de question de la laisser partir toute seule comme ça. Surtout si elle sait où est Lily Rose. Et comme je vous ai dit, elle a l'air un peu folle, hein, malheureusement pour elle. Donc je pense qu'elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. Enfin, vous vous rendez compte quand même. Aller chercher Lily Rose en pleine nuit. Bon, allez, dépêchez-vous, on y va là. On va pas aller laisser Lily Rose toute seule comme ça en pleine nuit. J'espère qu'elle habite pas dans une forêt ou je sais pas où. Allez, on prend la voiture tout de suite là. On perd pas de temps. Bon. Non mais moi je voulais dormir, j'avais commencé à dormir, je me retrouve dans des histoires pas possibles. Et en plus elle avait pris notre voiture pour partir. Allez, on se dépêche. Allez. Mais qu'est-ce que vous faites? Allez. Mais bon, ah bah, y a pas beaucoup d'affaires, Lily Rose. Ouais, non, elle a pas beaucoup d'affaires, allez, c'est ça. Allez. Regarde sa casquette. Allez-y, montez. Papine, tu vas conduire jusqu'à cette adresse. Ouais, non, le GPS, allez. Tu vas nous donner l'adresse exacte où est Lily Rose. Comme ça, on va venir la voir avec toi. On va venir la voir avec toi et on va lui déposer ses affaires. Ok, ça marche? Ah bah, d'accord, comme vous voudrez. Alors, on passe par où? Ah bah, déjà, faut démarrer. Bon, c'est quoi l'adresse? Bah, je vais pas vous donner l'adresse. Mais si, l'adresse pour le GPS. Ah, 14 rue du Pamplemousse. Vous êtes content maintenant? 14 rue du Pamplemousse? Oui. C'est à côté de la rue du Citron, ça. Exactement. Bon, ok. Ah, je connais. Attends. Mais c'est en pleine forêt, ça c'est vrai. Mais attends, mais vous avez mis Lily Rose dans une maison en pleine forêt? Bah oui. Et vous habitez là-bas? Bah oui, la nature, c'est bien pour la jeunesse. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça va, c'est pas très loin encore. Bon, les amis, je pense qu'on fera une deuxième vidéo où on va chercher Lily Rose. Parce que là, il y a beaucoup trop d'histoires. Le temps de la route, ça va mettre au moins 30 minutes. Bon, on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à cliquer sur une vidéo qui apparaît sur votre écran. Et dites-nous si vous voulez revoir la fausse mère. Parce qu'à mon avis, on n'en a pas fini avec elle. Allez, ciao.